chaud. Le journal de presque 17h17. Et on commence par les titres. Hier, l'équipe de France a fait match nul contre le Danemark au terme d'une rencontre pour le moins soporifique. Oui, au point que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'envisagerait de faire vendre en pharmacie les DVD du match pour remplacer progressivement les somnifères. Emmanuel Macron a annoncé que la France va accueillir une partie des réfugiés du Lifeline. Eh ben, ça lui a fait du bien cette petite rencontre avec le pape. Si ça se trouve, à la fin de la journée, il va nous annoncer le doublement du SMIC, du RSA et des APL. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, parce que les brèves, ce sont des miracles du quotidien que nous devons tendre les bras sur Charline. Oh, c'est beau. Et on commence donc par cette rencontre entre le pape François et Emmanuel Macron. Oui, attention, il a tenté, Manu, une petite blague. Une petite blague quand il a présenté Jean-Yves Le Drian au Saint-Père. Les Bretons, lui aussi. Excellent. Il y a des Bretons partout, c'est sublime. Les Bretons, c'est la mafia française. Les Bretons, c'est la mafia française. Alors que tout le monde sait que la mafia en France, c'est plutôt les informations suivantes. Oui, c'est ça, voilà. Vous n'avez pas fini la blague précédente. C'est en parce revanche. Que cet été, j'ai réservé en Corse. Et ah, donc, voilà, très je voulais bien. Plutôt donc, pas... c'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Alors, allez. Passons à Richard Ferrand. Oui, Richard Ferrand. Lors de l'examen du texte de la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale, le président du groupe La République En Marche a trébuché. Je crois que tous les points de vue qui ont été exprimés augurent bien de la richesse des débats. Et des dégâts sans doute, oui. Et des dégâts sans doute. À ce niveau, on ne sait pas plus s'il s'agit d'un lapsus ou d'une profession de foi. Économie. Oui. La Cour des comptes a mis en doute l'efficacité du plan Macron pour le redressement des finances publiques. Oui, en revanche, si on interroge Lagardère, Pinot et les patrons du CAC 40, aucun doute sur l'efficacité du plan Macron pour le redressement des finances privées. Allez, passons à Jérôme Lavrieux qu'on a retrouvé. Oui, il était là ce matin, le député européen, mais surtout un des principaux protagonistes de l'affaire Big Malion. Il était chez Léa Salamé. Comme j'ai un côté un petit peu taquin, je me suis amusé à regarder le nombre de personnes de l'entourage de Nicolas Sarkozy dans toute sa longue carrière qui sont mises en examen ou mises en cause dans des affaires multiples et variées. Je crois qu'on est à plus de 30-35 personnes. Donc si ce n'est pas de la radioactivité en politique... De la radioactivité en politique. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est un peu comme l'uranium. Il s'est bien enrichi. Région à présent. Oui, dans les Pyrénées-Atlantiques, une consultation publique a été lancée pour que les habitants se prononcent sur le projet de relâcher deux ours femelles. Une mauvaise nouvelle pour certains agriculteurs qui craignent pour leur cheptel. Oui, mais bonne nouvelle pour les zoophiles qui ont le goût du risque. Sport à présent. Oui. Donc hier, l'équipe de France a fait match nul contre le Danemark, mais les Bleus terminent quand même premier de leur groupe. Voilà, terminé premier en ne montrant rien du concept. À croire que l'équipe de France, c'est La République En Marche qui les sponsorise. Et un des autres matchs joués hier, c'était Argentine-Nigeria. Et Diego Maradona, présent dans les tribunes, a fait des doigts d'honneur, une sieste et un malaise. Oui, à lui tout seul, il a fait plus de spectacles que pendant tout France-Danemark. Allez, on attend les brèves. Les brèves, évidemment. Ouais. Deux polygames canadiens, dont l'un revendique 25 femmes et 146 enfants, ont été assignés à résidence par la justice. Ah, une fameuse punition, ça. Tu m'étonnes, les obliger à rester à la maison avec toutes leurs femmes et tous leurs gamins, ça leur fera les pieds. Et la dernière. Et la dernière à Marseille, un manipulateur déshabillait ses patients venus pour faire une radio. Notons que Jean-Marc Morandini fait à peu près la même chose avec des jeunes venus pour faire de la télé. Merci Alex. Mais de rien, Charlie.